Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo des top 5 des activités que l'on fait à la maison avec Amma. Alors je tiens à préciser, je suis pas du tout manuelle, je fais certaines choses de temps en temps, mais avec Amma je prends pas le temps, j'ai pas le temps. Donc je prends pas le temps, ce serait plutôt le terme, mais on fait des choses quand même ensemble. C'est-à-dire que j'ai des petites choses que je vais vous montrer qui nous permettent de se détendre, parce qu'Anna c'est une petite fille qui est très excitée et il faut pas l'exciter parce que sinon elle ne s'arrête pas. Je pense que beaucoup d'enfants sont comme ça. Donc je vais vous proposer des top 5 qui à la maison font fureur et qui plaît énormément. Alors pour commencer, on a les ateliers du calme avec Jeannode. Je sais pas si vous connaissez, c'est des petits autocollants en feutrine. Alors Anna elle adore beaucoup ce genre d'activité et en plus elle aime bien après les offrir. Voilà, donc c'est des petites planches hein, et vous venez coller les petites pastilles en feutrine et ça rend super bien et c'est très joli. Voilà, en termes de prix là je les ai pas, mais il me semble que c'est pas très cher et ça va à partir de 4 ans. Ensuite, alors là je vous présente des choses qui sont de chez Usborne. Ce sont des autocollants, néanmoins il faut savoir que je vous montre des choses de Noël hein. Elle les a pas encore terminées. Donc on a j'habille mes amis. Hop, non c'est ça, hein. J'habille mes amis, oui c'est bien ça. Et on a un autre Noël, alors celui-là, les deux, elle adore. Donc celui-ci, elle l'a même pas encore commencé pour vous dire, hein, parce qu'elle en avait d'autres. Vous voyez, vous avez les planches à découper ici, et ensuite vous avez genre des histoires qui sont là. Donc là par exemple, les fées de Noël, ces fées de Noël décorent le sapin, elles sont très coquettes, alors habillées de magnifiques robes de soirée et de couronnes assorties. Après tout, ce n'est pas tous les jours Noël. Donc en fait, votre enfant après, il va venir habiller la planche comme il en a envie, il n'y a rien à suivre. Donc là en fait, on n'a pas d'autocollant, donc page 14, on retourne à la page pour les pages 14. Donc pour la page 14, hop, ça va être les planches à découper. Hop, la petite planche à découper, n'importe quoi, la planche... Hop, 14 de sapin de Noël, les fées de Noël. Donc voilà, en fait vous allez vous retrouver juste ici. Vous allez pouvoir découper là, parce que là il y a des petites du pré-découpage. Vous allez arracher, là moi je prends un ciseau, alors la plupart du temps je découpe et je lui donne la planche. Comme ça Anna après elle fait toute seule, elle vient coller et habiller ses petites filles. Voilà, donc là c'est le gros coup de cœur je pense de Anna. Si elle devrait choisir, je pense qu'elle vous dirait que ça c'est ce qu'elle préfère. Ils sont à 6,50€, je trouve pas ça excessif parce qu'ils sont vraiment très bien réalisés et ils sont vraiment très beaux. C'est de très beaux autocollants. Ensuite on a donc Vilac. Ça c'est un cadeau qu'elle a eu à Noël par le comité d'entreprise de mon mari. Murphy me dit oh là là mais c'est pour les bébés ça. Je dis ah non non c'est de la motricité. Je dis mon gars tu vois on va jouer, ça va être pas mal. Donc le but c'est de mettre les poissons sur la petite baleine et ne pas faire tomber les poissons. Et franchement on rigole pas mal avec Anna, elle rigole bien et du coup elle joue toute seule, elle s'entraîne à mettre ses petits poissons et d'en mettre un maximum. Donc c'est vraiment pour moi le coup de cœur de maman. Voilà. Ensuite activité pour Anna toujours, mais alors ça c'est des choses qu'elle adore depuis qu'elle est bébé, depuis qu'elle a peut-être 18 mois, ce sont les puzzles. Ça c'est quelque chose que j'ai acheté en brocante, j'ai dû payer ça même pas 1,50€. Donc il y a deux puzzles, sur le roi lion bien évidemment, et puis le livre de la jungle. Elle adore, donc ça c'est valeur sûre avec Anna, c'est quelque chose qu'elle kiffe. Et pour finir, là on a un petit cadeau qu'elle avait eu par mes beaux-parents me semble-t-il à son anniversaire. Mais il y a longtemps, donc j'ai sorti il y a ça un an et demi. On est sur Jeannode, toujours. Jeannode franchement ils ont des trucs canons. Donc pour habiller la petite princesse. Donc en fait, ça, de 3 à 8 ans, l'enfant du coup il l'ouvre. Pour vous montrer, il est un peu abîmé, il faut qu'on vienne recoller. Parce qu'Anna l'a beaucoup utilisé. Donc vous avez ça, elle le pose, donc ça se tient comme ça. Hop. Voilà, ça se tient parce que ça c'est un peu cassé. Et vous avez des petites cartes comme ceci. Et l'enfant doit venir. Vous voyez les petites cartes. L'enfant doit venir habiller sa princesse. Vous voyez, donc là par exemple, on a ça. Elle doit venir habiller la princesse avec les robes, avec le petit bustier. Mais en fait, elle doit suivre la carte. Voilà. Donc au départ, hein, il joue pas avec les cartes. Là maintenant, ça y est, Anna, elle joue avec les cartes. Elle prend la carte et elle habille sa petite princesse avec les tenues qui sont indiquées sur la carte. Voilà. Donc ça, c'est gros coup de cœur aussi pour elle. Je crois qu'elle aime beaucoup. Enfin voilà, c'est les petites activités du mercredi souvent ou le soir quand elle rentre de l'école. On essaye de se poser et de prendre du temps pour elle et de faire ses activités. Ou alors bien évidemment on joue dans la salle de jeu et alors là on joue au médecin, on fait partie de Gilly. Bref, mais bon tout ça ça l'excite et puis après ça devient un enfer. En tout cas j'espère que cette petite présentation des top 5 d'Anna vous plaise.
Et puis si jamais vous avez d'autres idées, bah, n'hésitez pas à nous les mettre ici en commentaire. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt. Hello hello, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va vous parler des jeux que l'on aime bien faire avec nos enfants. Alors moi forcément, pour ceux qui me suivent sur Instagram, sur le blog de Maman Plume, ben vous savez qu'on aime beaucoup les jeux créatifs, les jeux de société. Voilà, donc ça fait partie de nos jeux, de nos top jeux avec les coloriages, tout ce qui va être les peintures, la pâte à modeler, les macomoulages. On fait plein de choses comme ça super créatives. Mais aujourd'hui, je voulais vraiment vous présenter 5 jeux qui font travailler justement ce côté créatif des enfants et que l'on aime bien faire à la maison. Alors, je vais commencer par ces deux petits coffrets. Il y a une version chevalier et une version princesse. Que je dise pas de bêtises, c'est des collections Aladdin. Alors, dedans, je vais vous montrer comment ça se présente. Hop là. Alors, on a un petit tampon encreur. C'est des tampons, en fait, tout simplement. Et là, on a les petits tampons qui sont rangés dans le sac. Hop. Et en fait, les enfants vont venir fabriquer à l'aide des tampons. Voilà, on voit peut-être mieux derrière, mais j'ai pas d'exemple. Ça brille un peu. Ils vont venir fabriquer derrière, vous voyez, avec les tampons, le château de leur rêve, on peut dire en quelque sorte. Il y a des petits bonhommes, il y a plein de choses à rajouter et ils peuvent le colorier après. Donc ça, pour faire travailler l'imagination, c'est plutôt pas mal. Mes deux loulous ont chacun leur version, du coup ils peuvent s'échanger les pièces de château. Parce que c'est pas exactement les mêmes châteaux si vous regardez, rien que les toits. Donc ça, ça fait travailler tout ce qui va être jeu de tampons. Donc là, je vous ai montré ceux-là, mais peut-être que chez vous, vous avez d'autres tampons. Vous allez trouver dans vos magasins d'autres jeux de tampons. Les jeux de tampons, c'est des jeux qu'on aime bien faire et qui font vraiment travailler l'imaginaire et le côté créatif. Donc ça, c'est un petit jeu qui fonctionne bien à la maison. Je répète, ceux-là, c'est des éditions Aladdin. Voilà, on les a depuis 2-3 ans, mais je pense que je les ai encore vus en vente au magasin. Donc voilà, niveau créativité, on a aussi la Softine. Alors, ça ressemble à de la pâte à modeler, mais ce n'est pas de la pâte à modeler. On a deux versions. Ah, si je vous présente à l'envers. On a deux versions. Une version nature, avec tout ce qui va être fleurs, papillons, et une version mer. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc, c'est une sorte de pâte à modeler, mais il y a un gros avantage. C'est que, vous savez, la pâte à modeler ou le sable... souvent on perd des petits morceaux un peu partout dans la maison. Hop là, celle-ci, elle est... Bon, j'essaie de la manipuler, hop, voilà. Vous voyez, je sais pas si on voit, elle est assez rigide en fait. Elle a une texture très douce, assez rigide, et en fait on va l'utiliser avec des petits emporte-pièces comme ça. Alors voilà, alors c'est mal fait, hein, version enfant, et en fait quand l'enfant vient appuyer, hop, ça sort, et regardez comme c'est joli. Voilà, comme ça vous voyez, ça fait des très très jolies formes, les petits détails sont ancrés dans la pâte. Et le côté rigolo, c'est qu'il y a des pâtes vraiment de toutes les couleurs, et surtout, surtout, ça ne sèche pas. Donc c'est un peu une pâte à modeler éternelle, donc voilà. C'est pour changer un petit peu de la traditionnelle pâte. Ça fonctionne bien. C'est accessible dès 3 ans. Et c'est les éditions Santosphère qui font ça. Donc il y a plusieurs versions. À la maison, on aime bien d'ailleurs. Pareil, vous avez dû voir dans mes stories. Je crois que c'était de mercredi. Les enfants, dans les stories de mercredi, ont fait de l'aquarellum. Voilà. Donc c'est de l'aquarelle. Ils ont des modèles vides, je vais vous montrer les modèles vides en premier. Donc ils ont des modèles vides, comme celui-là, si j'arrive à l'attraper. Donc il n'y a vraiment rien dessus, c'est juste vide. Et en fait, ils vont venir me faire des mélanges de couleurs. Donc là on a du rouge, du jaune, du orange, du bleu, du vert, le pinceau, les petits trous pour faire les mélanges de couleurs. On a aussi un petit... Et voilà, un espèce de petite pipette, et en fait les enfants vont venir prendre en fonction des couleurs qu'ils veulent choisir. Vous voyez, il y a des petites gouttes de ce côté là donc par exemple pour faire du bleu foncé il faut une goutte de rose
enfin un violet foncé. Il faut une goutte de rose et une goutte de bleu. Donc l'enfant va venir, c'est un peu pour faire des expériences sur les couleurs, apprendre les couleurs. Prendre une goutte de rose, il va faire ch'tac, il va mettre sa goutte, une goutte de bleu, il va mélanger ses couleurs pour créer, pour faire sa peinture et créer des couleurs à l'infini. Vous voyez le nombre de couleurs ? Donc ça c'est un bon jeu pour éveiller aussi au sens des couleurs, le sens artistique parce que forcément c'est de la peinture et il ne faut pas dépasser, il faut essayer de s'appliquer. Donc voilà, ça c'est les œuvres de Max qui a fait les chevaliers. Et là vous avez les œuvres de ma puce qui n'a pas encore fini. Il n'est pas fini et elle c'était sur le thème des licornes. Hop, donc ils ont déjà fait ça deux mercredis, ils adorent. Je trouve que c'est une belle découverte. Donc ça c'était les licornes, ça c'est les chevaliers. Mais il y a aussi plein de modèles différents sur les animaux. Enfin bref, il y a plein de choses à faire. Et ça marche plutôt pas mal aussi pour occuper vos enfants le mercredi. Et j'ai deux dernières activités à vous montrer qui changent. Là, vous connaissez tous, plus ou moins, je suppose, les coloredos, les gros pions de couleur pour les enfants. Il y a des versions pour les plus petits, pour les plus grands, ça je raconte, comme mosaïque. Hop. Alors c'est des clous, plus petits, mais un petit peu sur le même principe. J'essaie de vous montrer. Donc on a plein de modèles, vous voyez, il y en a vraiment tout plein. Donc il y a des modèles en couleur comme ça, voilà, avec différentes évolutions. Et quand l'enfant grandit, on peut passer à des modèles, alors que je mette dans le bon sens, comme ça, vous voyez. Donc voilà, c'est juste des petits clous comme ça, c'est très simple à mettre parce que vous voyez les trous ils sont bien larges, c'est facile. Donc ça c'est une petite activité et on a une boîte, je vais vous montrer. Alors en fait, n'ayez pas peur, les enfants y ont joué hier et vous voyez c'est un petit peu mélangé mais on a plein de clous, il y a plein de modèles. Et après ils sont libres bien entendu sur la planche de dessiner leur propre modèle. Il y a un autre jeu de clous qui ressemble mais qui n'est pas exactement le même but, c'est de chez Care City. Alors celui-là, moi c'est le jeu de mon enfance. Vous savez, on avait une grille avec des gros et des petits clous. On a une petite grille comme ça. Et en fait, quand on soulève, on a aussi des clous beaucoup plus fins. Et ceux-là, c'est tous ceux qui sont des années 80. Je pense que vous connaissez obligatoirement le jeu des clous. C'est vraiment... Alors, je sais pas comment bien vous montrer. Regardez, c'est vraiment toute notre jeunesse. On avait tous ça en jeu à une certaine époque. Pour justement, exactement comme le reste, venir mettre les clous. Et faire aussi des dessins imaginaires, créer des bonhommes. Et en plus celui-là il est pas mal parce qu'il est livré avec un petit carnet. Et en fait c'est des millions d'idées. Alors du plus simple, plus on avance dans le livre, plus il y a des modèles compliqués. Voilà, je vais avancer encore, vous allez voir il y a encore du plus compliqué. Donc c'est plus simple ou plus compliqué. Hop, il y a vraiment des choses assez poussées à faire. Voilà, j'espère que je vous aurai donné des petites idées pour occuper vos enfants le mercredi de façon artistique, on va dire, créative, imaginaire. N'hésitez pas à nous dire les jeux qui vous plaisent le plus. Si on vous a donné des idées, c'est toujours intéressant pour nous d'avoir vos retours. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Hello, c'est parti pour une nouvelle émission et aujourd'hui je vais vous partager des jeux, des activités qu'on adore à la maison et qui ont en plus une dimension écolo. Donc c'est parti, je vais vous proposer trois choses différentes. Alors la première, c'est ce que vous voyez là qui pointe son nez. En fait ce sont des petits bonhommes de bois, comme ceci. En bois naturel, non traité. C'est vendu dans une petite pochette de lin comme ça, alors ça s'appelle des Flopmen. Et la particularité de ces petits bonhommes de bois, c'est que ce sont des jouets libres. Donc on entend par là que, mais en fait, il n'y a pas de règles. L'enfant fait ce qu'il veut avec. Il peut laisser aller son imagination. Alors forcément, l'idée première, bah, c'est de faire des pyramides. Donc pour ça, ils ont vraiment une forme qui est super adaptée. Hein. Vous voyez, ça se monte très très facilement. L'objectif étant d'aller le plus haut sans faire tomber. Sauf qu'on peut aussi s'amuser à empiler les petits bonhommes, donc soit à l'endroit, soit en les mettant à l'envers, vous voyez, ça s'assemble également très très bien. On peut aussi les mettre de guingois. On peut faire des pyramides toutes simples, on peut les empiler en rond. À l'époque, mon petit loup, on a eu ça, il avait même pas encore 2 ans. Lui, son kiff, c'était de s'amuser à les empiler comme ceci et à faire des petits chemins, des petits parcours. Alors après, les enfants peuvent aussi très bien les peindre, coller des autocollants dessus, leur donner vie, raconter des histoires. Enfin, il y a vraiment plusieurs manières de s'amuser avec ces petits bonhommes de bois.
Et c'est vrai qu'à la maison, enfin, on les aime beaucoup. Donc aussi bien le petit loup que la chouquette de 8 ans, que moi-même, hein. De toute façon, on se lance des défis. Donc voilà, c'est un jeu vraiment très très sympa. Je vais vous mettre le lien dans la vidéo, comme ça vous pourrez les retrouver facilement. Donc ça, c'était pour le premier jeu. Le deuxième. Alors ce qu'on aime beaucoup aussi à la maison, ce sont les jeux de memory. C'est surtout les T-Boys qui adorent ça. Vous connaissez sûrement le principe, hein, on retourne toutes les cartes face cachée et l'idée, ben, c'est d'en retourner deux en découvrant les paires et celui qui a le plus de paires a gagné. Alors ici, on est sur un jeu de memory particulier, il s'appelle Tel Maître, Tel Animal de la marque Pirouette Cacahuète. Alors on est sur un jeu qui est fabriqué 100% à base de papier carton recyclé et la marque Pirouette Cacahuète en fait fabrique tous ses jeux soit en France soit en Europe dans une dimension environnementale. Alors la particularité de ce jeu, c'est qu'au lieu de retrouver deux paires vraiment semblables, il faut retrouver le maître avec son animal. Je vous montre un petit peu ce que ça donne comme carte. Alors par exemple ici, vous voyez, on a une paire pour le mouton. Ici, on a une paire pour la grenouille. Voilà, donc c'est original, ça change des mémories classiques, sachant qu'il existe aussi en version dinosaure, où là il faut retrouver le dinosaure et son squelette, et en version arbre, où il faut retrouver les feuilles avec le bon arbre. Voilà, donc c'est vraiment un petit jeu super sympa, écolo en plus, qui prend pas beaucoup de place et qu'on peut facilement emmener. Et donc ensuite, pour la dernière activité, donc là on est sur une activité plutôt manuelle, que mes deux moustiques adorent, mais ils y jouent de manière différente. Alors c'est le fun maïs. Alors en fait, le fun maïs, c'est tout simple. On a des flocons comme ça qui sont fabriqués à partir de maïs, hein, donc de matière naturelle. On a aussi dans le coffret une petite éponge qu'il faut humidifier. On a un couteau qui permet de couper les flocons et qui est aussi fabriqué à partir de maïs et qui du coup est biodégradable également. Et dans l'idée, il suffit de venir mouiller un des flocons et ensuite il peut s'assembler avec un autre. Alors on peut fabriquer différentes choses, hein. Par exemple là vous voyez sur cette notice là on peut fabriquer des princesses, des licornes, des arcs-en-ciel, etc. Donc des figurines en 3D. Et le petit loup, ben, c'est encore un peu compliqué pour lui tout ça. Donc je lui prépare des dessins sur des feuilles et il vient coller sur la feuille directement les flocons. Alors ça donne par exemple ça. Des petits bonhommes comme ça où je lui laisse les emplacements et lui vient positionner directement et bien ses flocons. Vous voyez, hop, voilà. J'espère que ces petites idées de jeu vous auront plu. Si vous ne les connaissez pas déjà, et bien que vous serez heureux de les découvrir, que peut-être vous les retrouverez en magasin pour un anniversaire, pour Noël ou autre. Voilà, et du coup je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Ciao. J'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Avec les filles, on a décidé de vous parler d'activités. Au début, je me suis dit qu'est-ce que je vais leur proposer, étant donné que la cuisine est déjà une activité que je fais beaucoup avec ma puce. Donc j'ai trouvé des petits jeux autour de la cuisine. Le premier, bah, comme beaucoup hein, de vos loulous, Poupette adore le coloriage. Alors du coup, je lui sors régulièrement des petits dessins. Bon là j'ai choisi le thème de la cuisine parce que faut que je reste dans mon univers. Mais sinon c'est souvent en fait que je lui imprime des petits dessins à colorier. C'est gratuit, ça coûte rien. Et là ça l'amuse beaucoup parce que forcément il fait de la cuisine comme elle. Ensuite le deuxième jeu que j'ai à vous proposer, c'est plus un jeu de reconnaissance. Bon la Poupette maintenant elle le fait on va dire par cœur parce que ça fait très longtemps qu'elle l'a. Mais je le conserve pour mon loulou, c'est un petit jeu comme ça, je sais pas si vous connaissez, je vais vous montrer en gros plan après. Mais en fait l'enfant a juste à remettre les petites cartes au bon endroit. Et je sais que Poupette s'est beaucoup amusée avec, donc j'espère que mon loulou sera pareil. Donc là c'est sur le thème de la cuisine et je vais vous montrer, vous avez différents modèles. Je vais reprendre de l'autre côté. Donc voici le jeu en question, donc l'enfant doit juste mettre les petites cartes en face du bon symbole. C'est trop forte, hein, on est d'accord. Donc en fait vous avez différents symboles. Vous avez sur le thème des animaux, du transport et des jeux. Après ce qu'elle aime beaucoup faire aussi, c'est des chocolats. Donc en fait tout ce qui est atelier un peu culinaire pour enfants, ma Poupette adore.
les ateliers muffins, cupcakes, tout ce qui est un peu décoratif. Et donc là, je vous présente, c'est le Cook Chef Chocolat de chez Bucky France. Et ça permet à l'enfant de faire des petits chocolats. Vous pouvez, hop, par exemple pour Pâques, on a aussi les petites tablettes, hop, les Kinder Surprise. Bon là, il n'y a pas de surprise. mais tout est expliqué dans le petit fascicule. C'est super simple. L'enfant fait vraiment ce qu'il désire, ce qu'il souhaite. Et vous voyez, on peut même mettre des petits ingrédients, hop, des fruits ou des bonbons. C'est vraiment, moi je trouve que c'est très créatif et ça plaît beaucoup à ma petite princesse. Alors la dernière activité que je vous propose, c'est de jouer à la marchande. Je pense qu'on a toutes aimé jouer à la marchande quand on était petite. Et j'adore jouer avec ma puce, hein, tout simplement. On compte en fait, je lui demande 3 bananes, 2 pommes, c'est assez rigolo. Mais une activité simple, j'ai envie de dire, mais plein de souvenirs. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve dès la semaine prochaine à 18h sur les Crazy Housewives. Salut les Crazy, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle émission sur les activités que nous faisons avec les enfants. Nous, à la maison, la plupart des activités qu'on fait, ça tourne autour des livres, puisque je suis accro aux livres et mes enfants donc adorent les livres aussi. Ma rubrique, c'est le développement personnel et le bien-être, et je voulais vous expliquer que tout ça, c'est possible dès le plus jeune âge. Il faut apprendre à nos enfants à avoir confiance en eux, à savoir gérer leurs émotions, parce que déjà adulte, c'est pas facile, donc si on commence dès le plus jeune âge, je vous promets que ça peut vraiment les aider à grandir, et il y a plein de livres qui peuvent nous aider pour ça, et je vous en ai sélectionné quelques-uns, nos préférés à la maison. Donc, je ne sais pas si vous connaissez les livres des éditions Grund, c'est des livres sur les émotions. Donc nous, par exemple, on a sélectionné la timidité et la jalousie, puisque c'est les deux problèmes qu'on peut rencontrer à la maison. Margot est très timide, et la jalousie entre frères et sœurs. Donc en fait, il y a des petits personnages selon chaque émotion, et il y a un livre pour chaque émotion. Donc ça explique aux enfants, par exemple, c'est une petite histoire sur la jalousie, et après on explique comment gérer ça, par des exercices de respiration, de pensée positive, voilà. Donc ça, je trouve que c'est vraiment chouette, on le lit très souvent, et ça aide vraiment les enfants à appréhender les émotions. Donc des livres autour des émotions, j'en ai plein. Il y en a un qu'on adore, c'est Mes émotions, donc Gaston la licorne. En plus, les enfants, ils adorent les licornes. Celui-ci, il est un peu pour les plus grands, parce que l'histoire est très très longue. Donc c'est pareil, c'est plein de petites histoires, où on explique, par exemple, il est jaloux, il est en colère, il est timide, et puis il y a des exercices, ça appréhende un peu la sophrologie. On dit Gaston il est en colère, et il se met à respirer, voilà des petites histoires, il se pose dans un coin, il respire, il pense à ce qui s'est passé. C'est pour aller un petit peu plus grand, et ce qui est top, c'est qu'il y a une roue des émotions. Dans mon bazar, je ne l'ai pas retrouvée, mais elle ressemble à ça. Et ça, par contre, Margot, elle l'utilise depuis longtemps. Surtout pour les enfants qui ont du mal à s'exprimer. On a la petite roue et on peut leur demander le matin, par exemple, comment tu te sens. Donc Margot, elle aime bien mettre tout foufou ou joyeux, mais il y a aussi en colère, jaloux, apeuré, triste. Ça permet vraiment aux enfants de pouvoir dire comment ils se sentent. Celui-là, il est très chouette. Dans le livre encore autour des émotions, nous en avons un autre sur la timidité. C'est les éditions Langue au Chat, c'est Timothée est timide. Il a peur de faire un exposé dans sa classe parce qu'il faut parler devant tout le monde. Et du coup, dans celui-ci, c'est aussi des exercices de sophrologie, apprendre à respirer pour être moins timide. Ensuite, un livre qu'on aime beaucoup, vous le connaissez sûrement, c'est Le Monstre des Émotions. Le Monstre des Émotions, nous on a celui pour l'école, parce qu'il a peur d'aller à l'école. Donc ça on l'a appris pour, parce que Margot le lit à l'école, et aussi pour appréhender la rentrée scolaire avec Léo l'année prochaine. Donc Le Monstre des Émotions, c'est comme... je pense que vous le connaissez, il change de couleur selon ses émotions. Donc là, il a peur, il est en colère, il est jaloux, et il change de couleur à chaque fois. Donc en plus, ça apprend les couleurs, c'est plutôt chouette. Une autre activité avec un livre, c'est le yoga. Mon premier livre de yoga. Celui-ci, il est très vieux puisque c'était à mon neveu, on nous l'a redonné. Et c'est un livre avec un CD où il y a des comptines, et ça, c'est vraiment trop mignon, surtout à faire avec les enfants. Donc je vous montre, vous avez par exemple, être souple comme Merlin le castor. Et il y a des petits exercices. Ça, pour commencer à apprendre le yoga, s'étirer comme Doug le cobra. Et voilà, bon, vous en avez plusieurs. Et avec les petites comptines. Donc ça c'est chouette avec faire les enfants, c'est pour la motricité, apprendre déjà un peu le yoga, la sophrologie aussi, parce qu'on apprend à respirer. C'est des activités chouettes à faire autour des livres et pour appréhender les émotions.
Donc ça, c'est toute une sélection de livres, mais il en existe évidemment beaucoup. Je vous mettrai les liens dans le descriptif. C'est important de parler des émotions et vraiment dès le plus jeune âge, ça les aide vraiment beaucoup. Une autre activité qu'on fait avec les enfants, vous avez peut-être vu dans mes stories, j'ai créé un tableau de visualisation pour moi. Alors je vous réexpliquerai dans une vidéo. En fait, c'est un tableau où on met toutes les choses qui nous rend heureux et tout ce qu'on voudrait avoir dans notre futur. Et en fait, c'était très rigolo quand je l'ai fait puisque ma fille a voulu faire aussi son tableau de visualisation et j'ai trouvé ça vraiment mignon et donc je vais vous le montrer après. Évidemment, elle a 5 ans donc vous vous rendez bien compte ce qui la rend heureuse, c'est la reine des neiges et tout, mais je trouve que c'est très bien d'appréhender ça parce qu'elle peut déjà poser les choses qui lui font plaisir, voilà, penser au positif, visualiser le positif et je trouve que c'est une très très bonne chose. Donc je vous encourage à faire la même chose avec votre enfant et vous avez vraiment des moments mignons quand ils vous vont montrer ce qu'ils aiment, ce qu'ils aimeraient avoir et c'est vraiment très bien à faire. Je vais vous montrer ça. Comme je vous le disais, dans mon bureau, je me suis fait un tableau de visualisation et Margot a voulu mettre le sien à côté. Donc bon, évidemment, elle a 5 ans, donc qu'est-ce qui la rend heureuse? Bah, c'est de pouvoir revoir sa cousine, parce que sa cousine habite à Saint-Malo, donc elle a mis deux fois sa cousine parce qu'elle veut visualiser le futur, revoir sa cousine, et puis après, elle veut des trucs de la Reine des Neiges et des Pokémon. Bon, voilà, on vient de le commencer, et elle veut mettre son père aussi dessus, parce que son père, ça la rend heureuse, et son grand-père, parce qu'elle aime bien jouer avec son grand-père. Donc voilà, elle a commencé, elle a que 5 ans, mais je trouve le concept plutôt chouette. J'espère que cette chronique vous a plu. J'aurais encore tellement de choses à vous dire là-dessus, mais la conclusion c'est que vraiment prendre du temps avec ses enfants pour communiquer et parler des émotions, ça les aidera pour être des adultes bien dans leur peau. Je vous retrouve la semaine prochaine.